Ouais, c'est ce qui fait encore plus mal. C'est que si on prend 3-0 qu'il n'y a rien à dire, on se dit bah, ok, on n'a pas le niveau. Mais là, on a réalisé une grosse prestation. On a réussi à jouer avec nos armes, on a réussi à les faire déjouer, on a réussi à les embêter tactiquement. Et puis, comme on est tout le temps sous pression, en deux minutes, on a baissé la garde et voilà, ils sont passés devant. Ils ont peut-être, et c'est sûr, même beaucoup plus d'expérience que nous sur ces matchs-là. Mais il y a quand même du positif. Malgré la défaite, c'est qu'on a rivalisé jusqu'à la fin, de la fin, de la fin, contre le Brésil, qui est la meilleure équipe du monde. Et ça remet rien en cause sur ce mondial qu'on a fait pour l'instant, où on a eu un très très grand niveau. Ça nous permettra de remettre un petit peu, de relever la tête et de prendre un petit peu et continuer à être fier de ce qu'on fait, quoi. On a prouvé que voilà, on peut tenir cette équipe brésilienne qui a un palmarès beaucoup plus lourd que nous. Et voilà, on a montré quand même de bonnes choses, je pense, ce soir, malgré la défaite. Voilà, c'est quand même